Salut à tous. Salut à tous. Petite vidéo assez tardive, mais vidéo quand même, parce que j'en fais une par jour, j'ai dit, donc voilà. Abonnez-vous à la chaîne, pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Et à devenir membre soutien si vous souhaitez. Devenez membre soutien. Tac. Et vous pouvez, et bien sûr, vous pouvez faire des dons via le chat si vous souhaitez aussi. Donc aujourd'hui, vidéo. Alors attendez, je finis ma phrase. Tac. Vous pouvez faire des dons via le chat. N'hésitez pas si vous hésitez, j'ai envie de dire. Alors, j'ai mis via le chat parce que ça... Donc aujourd'hui vidéo, on se lance aujourd'hui dans une vidéo, voilà quoi. Hein. Analyse de terrain, je n'ai jamais fait de vidéo sur l'analyse de terrain, ce qui me paraît fou quand j'y repense, sachant que c'est un des éléments basiques de QGIS, enfin du SIG, l'analyse de terrain de manière générale. L'analyse de terrain de manière générale. Donc aujourd'hui, on va voir comment réaliser des analyses de terrain basiques mais extrêmement utiles au travers de QGIS. Et de l'utilisation d'images raster et de modèles numériques de terrain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important dans l'analyse SIG, même si c'est pas les analyses finales en général, ce sont pas les traitements finaux, c'est toujours des traitements intermédiaires qui servent à produire d'autres analyses. Donc, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Amadou Ndim, merci pour ton membre soutien, merci d'être membre soutien. Et donc aujourd'hui, eh ben, on fait une petite vidéo dessus, sachant que c'est une des techniques de base et que j'avais jamais fait de vidéo avant. Il y a une petite vidéo, je crois, sur les analyses raster rapides, mais que j'ai fait il y a des années. Et là, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion d'en faire une petite. Alors, c'est que le début, hein, parce que sur les rasters, il va y avoir cette vidéo sur les analyses de terrain. Il va y en avoir une sur la réalisation de cartes topographiques, de relevés topo, pardon. De relevés topo. Une sur... comment réaliser les relevés topo, une sur le calage raster et le géoréférencement d'image, une sur le découpage de raster, et enfin, tac tac tac, découpage de raster, calage raster, l'analyse de terrain aujourd'hui, tac tac tac, et qu'est-ce qu'il y a encore? Et on aura d'autres qui arrivent aussi sur les analyses de visibilité et autres. Merci pour le like. Et voilà, donc on commence aujourd'hui tranquillement par ça. Bon, j'ai un peu de choses à dire quand même. Avant de commencer la vidéo, parce que l'analyse de terrain, qu'est-ce qu'une analyse de terrain pour commencer? Ça permet d'étudier les caractéristiques géophysiques, géomorphologiques du terrain, j'ai envie de dire, à savoir l'orientation des pentes, alors calculer la nature des pentes, l'orientation du relief et la rugosité. Donc voilà, ça c'est deux éléments qu'on va calculer aujourd'hui, qu'on va voir aujourd'hui, trois éléments qu'on va voir aujourd'hui. À ça, j'ajoute l'ombrage qui est bon, qui permet de calculer l'ombrage sur un terrain, en fonction du relief, mais aussi de calculer la nature de la quantité d'ombre qu'il y a, parce qu'il y a un indicateur d'ombre, donc on verra ça aussi tout à l'heure. Et pour calculer ça, je tiens juste à dire que il est nécessaire d'avoir un modèle numérique de terrain. Et qu'en fonction du modèle numérique de terrain, les analyses de terrain peuvent varier. Donc ça, c'est très 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 important. C'est pour ça que je vais axer aussi cette vidéo sur les données et la nature des données. Donc voilà. Donc si c'est bon pour tout le monde, je continue. Donc là, aujourd'hui, on va voir les analyses de terrain. Je précise analyses de terrain via QGIS, donc au sein de QGIS. Comme vous voyez à l'écran.
Alors, c'est juste, alors je tiens à dire que comme ça prend énormément de ressources, ce genre de traitement, et que je suis en live, bon voilà, on est là, on voit ce qui se passe, voilà quoi. Donc là, premier élément, vous voyez à l'écran le modèle numérique de terrain qui va s'afficher sous vos yeux ébahis. Attends, voilà, le modèle numérique de terrain. Donc ce modèle numérique de terrain est le modèle numérique de terrain de l'IGN, le ABD Alti V2. Donc qui a quelques mètres. Alors, quand vous analysez, quand vous travaillez sur un modèle numérique de terrain, il y a plusieurs choses à voir. La première, c'est la précision altimétrique. Non, la première, c'est la précision planimétrique, et la seconde, c'est la précision altimétrique. Concernant la précision planimétrique, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Le pixel fait 1 mètre de côté, 1 mètre carré. Concernant la précision altimétrique, elle est très forte sur les zones littorales et dans les zones urbaines, très faible et moyennement, enfin, et de bonne qualité dans les zones de l'ARPI, dans les zones montagneuses et rurales. Donc, quelques centimètres de précision de point altimétrique en zone urbaine et à 1 km des zones littorales, fleuves compris, et 1 mètre de précision dans les zones rurales et montagneuses pour le modèle numérique de terrain. Donc voilà, ça permet, voilà, et ça permet de faire des petites analyses de pré-opportunité, des profils topo, etc., etc. Aujourd'hui, on va voir les analyses de terrain. Donc, ce que vous voyez sous vos yeux, là, c'est le modèle numérique de terrain fourni par l'IGN en Open Data, la BDAT V2. Donc, vous voyez que sur toute la France, alors là, je vous montre juste le volet des Alpes-Maritimes, mais c'est sur toute la France. Donc là, vous voyez que le modèle numérique terrain varie de moins 4 mètres à 3674 mètres, qui doit être le Mont Blanc. France métropolitaine, je précise. Donc, première chose, vous voyez que c'est un relief du noir vers le blanc. Plus c'est noir, plus c'est le relief est plat, enfin, à une faible altitude et pas plat. Plus c'est blanc, plus le relief a une forte altitude. Première chose que je vais faire, c'est je vais mettre des couleurs sur ce modèle numérique de terrain. Donc, je l'ai chargé, voilà, sur toute la France. Là, vous le voyez sur une petite partie parce que sinon c'est très long à charger. Comme je suis en live, j'ai pas les ressources pour faire beaucoup de traitements. Ça, c'est la première chose. Donc, il existe des modèles numériques de terrain gratuits sur toute la Terre. Je vous renvoie vers l'USGS. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, l'objectif, c'est de. Alors, qu'est-ce qu'un modèle numérique de terrain pour ceux qui ne savent pas? C'est une image raster. Chaque pixel correspond à l'altitude de la zone, du pixel. Donc, en l'occurrence, ici, si je cliquais sur un pixel, je verrais 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, 1000 mètres. Donc, chaque pixel correspond à une altitude. Donc là, la première chose que je vais essayer de faire, parce que là, je suis en live et en plus, ça prend énormément de ressources et traitement raster. Je vais essayer de changer les couleurs du modèle numérique de terrain. Donc merci à tous d'être là. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc on va voir les analyses de terrain qui sont des analyses essentielles, les premières analyses avant de travailler quoi que ce soit, avant de faire des traitements plus poussés. Alors attendez. Tac. Donc c'est un peu long. Non. Alors, donc pour faciliter la vitesse des traitements, j'ai déjà réalisé tous les traitements et ils sont déjà sauvegardés. Comme ça permet de pas avoir à recréer les données parce que alors là ça aurait pris 300 ans. Je les ai toutes créées, elles sont toutes disponibles dans l'espace de travail, dans le projet QGIS. Donc on a le modèle numérique de terrain que j'ai généré, l'aspect qui est l'orientation, l'ombrage, la pente et le traitement qui s'appelle Woodness, la rugosité en anglais. Alors pour relancer des analyses de terrain, je vais vous montrer tout de suite. Donc wait, on va attendre un peu. Pour réaliser des analyses de terrain, il faut aller dans Rast. Alors déjà, il faut charger votre MNT, première chose. Première chose, il faut charger un modèle numérique de terrain. Plus il sera fin, plus la précision planimétrique sera bonne et plus la précision altimétrique sera bonne et plus vous aurez des analyses de bonne qualité. Donc là, c'est la première, on va dire que c'est la première, c'est le premier, une des premières vidéos sur l'analyse de raster, l'analyse de terrain, sachant qu'il y en aura plusieurs. Donc voilà, donc, vous allez dans raster, analyse, et là, vous avez les algorithmes de traitement de données. Merci, merci pour d'analyse de terrain. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important et d'assez utile pour tout ce qui est, ben voilà, modélisation hydrologique, analyse de visibilité, analyse de terrain plus, parce que là je vous montre les premières analyses de terrain, mais bien sûr vous pouvez aller plus loin.
Partage-nous ton écran. Ah bon. Ah oui, exact, 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 exact. Bien vu, bien vu. Pardon. Voilà. Donc voilà. Donc là, vous voyez. Alors là, bon, là, mon QGIS, il est un peu fatigué. Mais vous voyez donc le modèle numérique de terrain en couche chargée. Et vous voyez aussi l'orientation, l'ombrage, les pentes et la rugosité. Déjà chargé. Ici, c'est le modèle numérique de terrain. Pardon, pardon de ne pas avoir partagé l'écran. Effectivement. Donc là, je laisse un peu travailler. Fort que normalement je vais avoir un nouveau PC d'ici cette année d'ici 3-4 mois et donc là je vais pouvoir faire de meilleures vidéos puisque là je prends une bête de guerre, je prends un truc 64 Go de RAM, processeur de la mort et tout. Comme ça je vais pouvoir faire de meilleures vidéos, ce sera bien plus fluide, les lives seront bien plus fluides. Mais là en attendant tout de suite, je suis encore sur mon antiquité. Donc ça sont les 4 analyses que j'ai produites. Là le modèle numérique de terrain est là, donc attendez, si je peux. Tac. Ouais, bon là c'est pareil, c'est un peu long. Donc je vais continuer quand même. Je sais pas si la VM est un peu fatiguée et je sais pas si je la redémarre ou pas. J'ai pas trop envie de redémarrer la VM. Bon, je laisse encore 1 minute, sinon je redémarre la VM. Donc là vous avez le modèle numérique 1 qui varie entre moins 5 mètres et 3600 mètres. Donc ça c'est une, ça c'est le modèle numérique de terrain de l'IGN, la BD Alti que vous voyez en fond. Tac. Donc je laisse faire. Et au-dessus, vous avez toutes les 4 analyses de terrain basiques qui ont déjà été réalisées. Alors attendez. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Tac, 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 tac. Bon, ça c'est le modèle numérique de terrain. Bon, est-ce que je relance la machine? Parce que là, c'est carrément la VM qui a planté. Ou allez bon, je redémarre la machine, ça coûte rien, ça prend 2 minutes, enfin j'espère. Donc ça c'est la première chose, donc ça les éléments ont été chargés. Alors un point important concernant vos analyses de terrain, c'est que vous allez générer de gros fichiers, de très gros fichiers. Allez, je redémarre la machine, hein, je me permets. Vous allez générer de très gros fichiers. Et donc, une chose importante quand vous effectuez des analyses de terrain, c'est de préparer votre disque dur ou d'avoir un espace de stockage suffisant. Là, pour vous donner un ordre d'idée, là, j'ai le modèle numérique de terrain de la France qui a été chargé. Il fait à peu près 200 mégas, 300 mégas. J'ai généré les cartes d'ombrage, les cartes d'orientation, de pente et de rugosité. Ça fait, ça, chacun font 250 mégas en géotiff. Donc, ça pèse un peu quand même. Ça, c'est la première chose. Donc, préparez votre disque dur à générer des données, car les données raster sont très vite, j'ai envie de dire, les données raster sont très vite datavores, j'ai envie de dire, en termes d'espace. Donc, ça, c'est la première chose. Une fois que vous aurez fait, que vous aurez cet espace, vous pourrez commencer à travailler. Attention, les traitements de données terrain prennent un peu de temps aussi. Ça, c'est bon. Là, moi, j'ai généré, ça allait 4 Go de RAM, ça allait, mais ça peut très vite devenir plus long. En termes de temps de temps de calcul. Donc, préparez-vous à avoir des temps qui peuvent être relativement, des temps de chargement qui peuvent être relativement longs et des temps de calcul qui peuvent être relativement longs. Vaut mieux même avoir une machine dédiée au calcul. Ça, c'est vraiment quelque chose, et que vous récupérez le calcul, par ailleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose à anticiper dès le début. Parce que si vous commencez à faire des analyses de pente, après croiser les pentes avec les orientations, etc., via la calculatrice raster, ça peut très vite devenir générateur de beaucoup de données et des traitements qui peuvent être relativement longs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, on va dire, ces facteurs, comme je vous ai dit, la qualité des données, plus vous avez des données de qualité, plus vos traitements vont, plus vos résultats vont être de qualité. On va voir un peu, on va voir à quoi correspondent ensuite les indicateurs d'ombrage, etc., les indicateurs, on va dire, produits par QGIS, puisque vous avez le choix entre plusieurs indicateurs quand vous générez vos couches, et ça, on les verra par la suite. Et enfin, ben, on va voir les résultats, parce que c'est intéressant de voir ce que génère QGIS. C'est assez parlant, les analyses de terrain, donc ça, c'est l'avantage. Et du coup, ben, on va voir un peu comment ça se passe. Donc là, j'ai relancé ma machine. Et on va voir comment ça se passe. Donc, évidemment, alors peut-être qu'aujourd'hui on en verra deux, parce que ça fait déjà 14 minutes que je parle, et demain on verra les deux autres. Et ensuite, comme je l'ai dit, il y aura d'autres vidéos sur les analyses de terrain, les analyses raster, car c'est que le début. Il y a énormément d'analyses qui sont disponibles via QGIS
pour analyser le terrain. J'ai pas, je vous ai pas, on fera des vidéos vraiment spécifiques métiers, mais analyse d'albédo, analyse de vitalité de l'activité végétale au travers du NDVI, très important. Alors là, on est aux portes. Alors là, c'est pas de la télédétection, pas du tout, mais l'analyse environnementale au travers de QGIS et au travers des analyses raster. C'est, on est aux portes, on entre dans la télédétection. Voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Ça va, le son de votre côté, il est pas trop dégueulasse. Donc voilà. Donc là, pour info, il y a ma veine qui redémarre progressivement si je peux. Mais sinon, je vais arrêter la vidéo, je vais continuer l'enregistrement par ailleurs. Et puis après, voilà. Comme ça, ça permettra de finir la vidéo et de la poster par ailleurs. Donc voilà, donc ça sont les analyses de terrain. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre dessus? La mise en forme des analyses est très très importante aussi. On verra aussi des mises en forme raster, comment ça se passe. Donc ça, c'est, on verra aussi dans QGIS, parce qu'il est possible de croiser les différentes analyses pour vous faire des rendus parlants. Une des analyses terrain que j'utilise toujours pour la mise en forme, c'est l'analyse les ombrages. Je vous montrerai par la suite. La couche ombrage est très importante pour faire de beaux reliefs, mettre OpenStreetMap en 3D, donner un effet 3D à OpenStreetMap. Et enfin, il y aura des vidéos à l'issue de toutes ces vidéos sur la 3D. Parce que, évidemment, que le modèle numérique de terrain et toutes ces couches permettent de réaliser des cartes 3D. Ça, c'est très, très, très important. Déjà, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne sur la 3D. Je vous conseille d'aller voir mes vidéos avec le plugin TreeJS qui permet de créer des modèles, bonjour, salut Charles, qui permet de créer des modèles 3D avec QGIS, des applications 3D. Et je tiens à le dire là maintenant, mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais je vais faire une vidéo, enfin, une vidéo de 2-3 heures qui va être créer une maquette numérique 3D d'une ville. D'accord? Cette vidéo va venir donc incessamment sous peu. Ça va être une vidéo de 2-3 heures qui va vous détailler toutes les étapes pour créer une maquette numérique de votre ville en 3D, relief et bâtiment compris. Donc c'est du log 2, je vous expliquerai ce que c'est que du log 2, c'est des carrés de sucre extrudés, si vous voulez. Et donc je compte faire la vidéo de 3 heures, mais je compte la faire payante celle-ci, voilà, parce que c'est une vidéo un peu professionnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui payent des maquettes 3D. Donc elle sera sur YouTube, hein, elle sera une vidéo payante sur YouTube, mais elle sera disponible, voilà, je pense que ce sera une vidéo assez chère. Vous la verrez, pour la visualiser, il faudra payer, mais voilà. Donc ce sera une vidéo en bout de chaîne des analyses raster, ce sera une vidéo sur créer une maquette numérique 3D de sa ville. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je tiens à faire, donc 2-3 heures, vous me direz ce que vous en pensez, et après voilà, il y aura peut-être d'autres vidéos payantes qui vont venir, de rien Charles, qui vont venir étayer le contenu de la chaîne. Donc la chaîne va continuer, 99% de vidéos seront gratuites, mais il y aura peut-être 1 ou 2% de vidéos qui seront payantes, histoire un peu de rentabiliser les investissements que je fais à côté. Bon, même ils sont pas énormes, franchement ils sont pas énormes les investissements que je fais à côté, je peux largement survivre comme ça, mais en gros, plus si j'arrive à un peu générer des revenus grâce à la chaîne, je vais pouvoir acheter des serveurs plus puissants et proposer des contenus plus puissants. Et étant donné que là, bon, j'ai fait une petite semaine où j'ai réussi à maximiser tout ça, il y aura aussi, je vais acquérir un drone pour faire des vidéos SIG et drones. Et pourquoi les drones? C'est important parce que les drones, c'est un outil formidable de collecte de données 3D et de données raster. Et donc, je vais faire des vidéos, comment créer des MNT à partir de drones, comment créer des modèles 3D à partir de drones. Donc, tout ça, c'est prévu aussi incessamment sous peu. Ouais, merci Charles, merci. Je sais pas si c'est clair, enfin, ça s'adresse quand même à des gens qui maîtrisent les SIG, hein, toutes mes vidéos. Hein. Ça s'adresse pas trop à des gens, pour avoir expérimenté ça cette semaine, pour avoir fait des formations cette semaine auprès de publics très divers, qui s'adressent à des personnes peu au fait du volet SIG, c'est un peu dur de transmettre. Bon, alors je crois que là ma VM est en train de mourir, donc vous savez ce que je vais faire. Là, je vais un peu vous présenter donc les analyses raster, et après, je vais faire ma vidéo de mon côté et je vais vous la transférer et je la mettrai en ligne pour les analyses techniques, parce que le stream et les analyses raster, ça le fait pas trop. Pas de PayPal. Alors ici, j'ai un site où je suis en train de préparer le site internet de tutoriel geo, parce que j'avais un site qui s'appelait tutorielgeo.com
au travers duquel vous pouvez faire des dons. Si, si, mais je l'ai désactivé, je suis en train de le réactiver. Mais vous pouvez faire des dons à travers du chat, hein, si vous voulez. Ici, déjà, dans le chat, ou devenir membre sous chat aussi, c'est possible. Bon, après, voilà, je fais pas ça pour les dons, ne donnez, j'ai envie de dire, ouais, faites des dons si vous souhaitez, bon, après, comme vous voulez. J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien que j'en fasse des dons, mais bon, après, voilà, je fais pas ça pour les dons, surtout que j'arrive à rentabiliser mon activité par ailleurs, donc j'ai des sources de revenus qui sont pas mal, enfin pas mal, non, qui sont très faibles, mais qui me permettent de proposer de nouveaux services. Donc cette année, c'est sûr qu'il y aura de nouveaux services, avec l'acquisition du nouveau serveur et les drones. Mais voilà, donc voilà. Donc là, mon serveur est en train de se recharger, donc je pense que je vais m'arrêter là. Mais par contre, je vais faire la vidéo là tout de suite dans la foulée, et je la repose dans 20 minutes, une demi-heure ou dans une heure. Le temps de partager, le temps de la faire, sachant que j'ai déjà fait les traitements. Mais voilà, donc les analyses de terrain, ça va prendre une grande partie. Pour la 3D, je fais un peu des vidéos grâce 3D, QGIS 3D, etc., etc., pour vous montrer comment générer des modèles 3D, sachant que dans QGIS, il y a une vue cartographique 3D qui a été rajoutée. Et voilà, donc il y a quelques vidéos qui vont devenir payantes. Voilà, réaliser un atlas sur QGIS, réaliser, bon, ça va devenir payant. Mais voilà. Et après, j'ai trouvé un outil super pour réaliser des cartes interactives. Donc, je vais faire aussi une vidéo sur les cartes interactives. Super pour générer des cartes interactives à la volée. Pareil, ce tuto arrive. J'ai découvert la semaine dernière. Enfin, ça fait longtemps que je n'avais entendu parler, mais c'est bien amélioré. Donc, voilà. Bon, voilà. Donc, mon serveur est en train de se relancer. Je pense que je vais arrêter là. Mais en tout cas, c'est une vidéo de présentation de la thématique. Attendez. Peut-être que le serveur est en train de s'activer. Attention. Je vous partage l'écran. Ah si, vous le voyez, super. Tac, donc j'écris, je lance mon mot de passe. Donc attendez, peut-être que on va sauver la vidéo. Serait-ce possible? Donc voilà, après j'ai fait une erreur, c'est d'avoir généré ces données sur toute la France. Donc ça c'était... Je me suis dit, je fais ça en live, ça va pas passer. Effectivement, ça passe pas. Donc voilà, vivement, mon serveur de traitement là. J'espère qu'il va. Je l'ai pas encore acheté, je compte l'acheter cette semaine. Mais vivement mon petit serveur de traitement pour faire des vidéos de la mort en live. Parce qu'il y a que ça qui manque, hein. J'ai la fibre, j'ai tout. Donc là, pour info, je fais tout sur mon PC qui date depuis. Je vous dis pas la date, tellement j'ai honte. Donc voilà. Donc, le serveur se charge. Je remets le descriptif en attendant. Donc voilà. Et après, on ira tranquillement vers... bon, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de vidéos. Je compte faire une vidéo sur R et des vidéos OpenLayer cette semaine. QGIS BI aussi. QGIS BI, peut-être demain QGIS BI. Est-ce possible? Parce que ça y est, je commence à maîtriser la bestiasse. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Alors attendez. Voilà, non. Bon, je vais arrêter là. Je vais faire les vidéos de mon côté. Je la repose ça dans une demi-heure, une heure. Super bonne les enfants ce soir. Donc la nuit va être longue. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc,